Dans un premier temps, il y a eu donc l'attaque des pompiers donc à Ajaccio, et c'est un événement qui a profondément choqué les Corses, puisque c'était la première fois que l'on voyait une telle chose hein, dans notre île. On sait que ça existe ailleurs, notamment dans les banlieues sur le continent, en France notamment. Mais effectivement, cet événement a profondément choqué les Corses. Nous avons évidemment, avec Gilles Simeoni, nous dirigeons depuis quelques jours la collectivité de Corse, et nous avons évidemment, dès hier soir, dénoncé extrêmement fermement, à la fois, bien sûr, l'attaque des pompiers, ça n'est pas tolérable, mais également donc la profanation de ce lieu de culte qui ne correspond à rien de ce que nous sommes collectivement. Enfin, il faut savoir que la liberté, la tolérance religieuse existe en Corse depuis le milieu du XVIIIe siècle, que nous l'avons en quelque sorte inventée en Europe, et que sur notre terre, il n'y a pas de place pour ce genre de comportement.